Aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui ici pour le deuxième Open international de pétanque à Dakar. C'est un événement qui prend maintenant de l'ampleur. Jusqu'à hier, il y avait 110 équipes, mais c'est un tournoi surtout qui est rehaussé par la présence de plusieurs champions du monde qui sont venus hier et qui arrivent ce soir aussi. Et qui dit grand événement aussi, il y a aussi des grands partenaires. Pour cette année, le PDG de FH Sénégal, M. Gérard Stenac, mon ami et frère et papa, a tenu à accompagner la fédération pour que cet événement soit une grande réussite. Il est représenté ici par Mme Yacine. Si vous ne la connaissez pas, on a beau avoir les moyens, mais s'il n'y a pas d'hommes ou de femmes compétents, on ne peut rien faire. C'est elle qui a fait le marathon de Dakar, qui a organisé tout le marathon de Dakar, et maintenant qui nous accompagne pour réussir cet événement, qui va durer 3 jours, encore Diarama. Donc, je ne veux pas être très long. Je tiens aussi à remercier, bien sûr, parce qu'il y a EFAS qui est sponsor officiel, mais bien sûr, le ministère des Sports, le CNOS, le ministère du Tourisme, Madame le maire de Dakar aussi, nous accompagne dans ce grand événement. Ils apportent aussi leur contribution. Je tiens à dire à M. Sulaiman Diop, ici présent, mes remerciements les plus sincères à M. Matarba, vraiment, qui, pour la pétanque et pour toutes les autres fédérations, son bureau est ouvert à tout le monde. Et il est à l'écoute de tout le monde. Quand je l'appelle, viens au bureau, sans rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux? Et rapidement, il réagit. Je tiens à le remercier de vivre, monsieur. Et sans plus tarder, je vais vous donner la parole à monsieur Diop. La présence du ministère des Sports dans une conférence de presse d'une fédération sportive n'est pas très habituelle. Mais pour la deuxième fois, le ministre des Sports m'a demandé de venir à côté du président de la Fédération sénégalaise de sport boule pour lui témoigner toute notre reconnaissance pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de fournir, lui et son équipe, pour le développement et la promotion du sport boule. Prendre en charge un Open avec des prix qu'il a proposés est unique en Afrique et même au niveau du monde. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, nous sommes venus pour lui témoigner cette reconnaissance et cette contribution de la pétanque dans le développement économique du sport du Sénégal à travers la promotion du tourisme. Accueillir 20 pays, 350 boulistes, participe certainement à développer le tourisme au Sénégal. L'autre explication aussi, c'est que souvent, on nous taxe d'être un ministère du football ou de la lutte. C'est pourquoi nous sommes toujours heureux d'être à côté des fédérations qui sont dites des fédérations défavorisées. Pour dire que nous ne pouvons pas dire que nous sommes à égale distance de toutes les fédérations, mais au moins nous essayons d'être dans l'équité. Parce que notre constitution du sport, c'est-à-dire la loi portant charte du sport, a opté pour la pluridisciplinarité, ce qui veut dire l'égale dignité de toutes les disciplines. Donc, nous sommes toujours prêts à être auprès des petites fédérations, entre guillemets. Je voudrais terminer mes propos en remerciant la société EFAJ, parce que, quand même, dans sa responsabilité sociétale, le sport occupe une très grande place. Comme l'a dit tout à l'heure le président Gass, le marathon de Dakar constitue quand même un événement majeur qui participe au développement du sport au Sénégal. Yacine, soyez notre interprète auprès de votre directeur général pour lui dire toute la reconnaissance du ministère des Sports, d'avoir bien compris les valeurs que charrie le sport au niveau des entreprises et d'avoir bien voulu donner une place importante au sport
dans sa responsabilité sociétale d'entreprise. Voilà, mesdames, mademoiselles, messieurs les journalistes, les propos liminaires que je voudrais, au nom du ministre Matarba, prononcer à votre endroit. Je vous remercie. Tout le monde se bat pour venir à Dakar. Il n'y a pas ailleurs où on donne aux vainqueurs 10 000 euros. Pardon, c'est un tournoi doté de 20 millions CFA. En plus d'autres charges, bien sûr, parce que nous prenons en charge beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger. Et c'est grâce à ça que maintenant nous vendons la destination Sénégal à travers cet événement-là. Et je tiens surtout aussi à remercier, bon, en dehors des FH, bien sûr, je ne dirais pas mes sponsors, hein, mes bienfaiteurs, parce que vous savez tous que je suis dans l'humanitaire, donc ce n'est pas des sponsors qui accompagnent la fédération, c'est des bienfaiteurs qui œuvrent dans l'humanitaire. Voilà.